Et bonjour à toutes et à tous, c'est Jean-Yop et on se retrouve pour un tout nouvel épisode de Roblox. C'est le 30e déjà. Mon dieu, que le temps passe vite, hein. Donc la dernière fois on avait fait cette partie-là du layout qui me paraît quand même bien étrange, on va pas se le mentir. Notamment cette partie-là. Mais on va essayer de le modifier tous ensemble. On va essayer de pas faire un épisode entièrement consacré au layout. On va tout de même essayer de construire autre chose que le layout. Notamment une partie de la théma, ce serait sympathique, ou du moins de l'intégration. Ah là c'est mieux. Ah ouais là c'est mieux. En fait vous supprimez juste une partie du coaster et ça permet de le rendre vraiment mieux. Oh c'est génial. Peut-être juste cette partie-là. Ah ouais non là c'est un bloc entier du coup maintenant. Problème c'est que le 0 genre, je trouve qu'il est pas assez. Il est pas assez surélevé en fait. Du coup, je le trouve pas assez ample. Attendez, tac. Oh non, là c'est trop. Hop. Voilà. Peut-être un peu moins ample, s'il vous plaît. Nickel. Ah, j'ai l'impression que ça va un petit peu mieux. Genre vraiment. Genre là, plus vraiment. En fait, c'est qu'en début d'épisode que j'arrive à faire des belles choses. Arrivé le milieu, ça y est, c'est fini. Enfin, milieu, on a fait à peine 2 minutes. Voilà, donc c'est vraiment la première minute où est-ce que je fais vraiment des choses utiles. Ah, ça y est. Ouais, on va dire que ça passe. On va dire que ça passe. Non, pas trop en fait. Là, ça passe mieux. Very mort. C'est very trop. Qu'est-ce qu'on n'entend pas? Qu'est-ce qu'il faut pas entendre, surtout? Alors, est-ce qu'on la refait cette hélice? Ou est-ce qu'on la laisse telle quelle? That is the question. On va la refaire, je crois. Elle est vraiment pourrie. Alors problème, c'est qu'on va devoir, voilà, relier en deux temps. Voilà.
Alors, est-ce qu'on fait les freins finaux ici ou pas? Non, on va faire comme on avait prévu. C'est vraiment pas bien, mais on va devoir faire comme on avait prévu. C'est vraiment pas bien niveau réalisme surtout. Tac. Bon, là c'est trop tortueux. On dirait un Big Dipper mal calibré. Enfin mal conçu surtout. Alors. Pas génial. Moins descendre du coup. Voilà. Bon, même si je suis pas hyper. Oula, c'est quoi ce délire? M'explique-t-on pourquoi il y a une portion bleue? Ben, je crois qu'il y a une portion qui s'est reset. Bon, et à la fin là, je suis pas très satisfait. Bon, ouais, tant pis, on va faire ça comme ça. C'est pas le meilleur, c'est pas le meilleur compromis, mais voilà. Ah c'est con, il n'y a pas de support là. On va le tester, on va l'ouvrir tout de suite. On va essayer de faire la TV un peu au-dessus. Non, j'aurais bien aimé monter dedans. On montrera la prochaine fois. Alors on va peut-être modifier les couleurs, les mettre en bonne santé. Même si ça n'a rien à voir avec la santé, personne n'a remarqué. C'est génial. Ça drop. Ça va, ça a de la vitesse. Ah, dans Animal Man, ça a du mal quand même. Mais pour du Roblox, ça a de la vitesse. Ah, l'hélice, elle est pas géniale. Mais bon, on va dire que ça passe pour le moment. Donc on va l'ouvrir, comme ça il y aura plus de visiteurs déjà parce qu'on a perdu énormément de visiteurs. Comment on pourrait faire une belle théma? Alors déjà, on va essayer de mettre des murs. Pour ce qui est dans le fossé là. Si ce n'est pas un. Enfin si c'est un fossé, c'est pas assez du coup. Quelle bonne blague. Putain, on se marre. Alors, il me faudrait du métal, quelque chose qui. Et il passe à une sacrée vitesse quand même, hein, pour du Roblox. Donc métal, est-ce qu'on met ouais noir, gris, grisonnant. Le problème c'est que le sol est déjà gris. Pas le sol, mais. Voici le. Enfin le. Comment dire ça? Le chemin plutôt. Voilà. Ce n'est pas le chemin. L'espace n'est pas le chemin de plutôt. Ou que c'est cocasse. Que c'est cocasse, que c'est cocasse. Ah, comment c'est que j'espère.
J'espère que le fond, il y a des trucs pour... J'espère qu'il y a du sol en métal qui laisse passer les supports. Je crois pas. Je crois vraiment pas. On va moins mettre ça, sinon on changera la texture de... Comment dire? Du sol. Non! Décidément. Hop là. Voili-voilou. Alors, non, il y a aussi là. Et ouais, il y a un peu partout à faire. Et oui, pour le précédent épisode, je parlais d'Another Brick in the Wall de Pink Floyd. Sans lire vos commentaires en plus. C'est juste à la mémoire. Ce qui est rare. Oui, parce que je tourne cet épisode avant la sortie du précédent. Malheureusement, je n'aurai pas vos retours. Hop, 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 hop. Voilà. Voilà. Alors maintenant, est-ce qu'on a du sol couleur métal? Enfin, texture métal, tout du moins. Est-ce qu'en concrete, ça passe? C'est dégueulasse. Mais ça a l'air de passer. Mais le problème, c'est que je crois que... Voilà, regardez. Là, ça se posait problème. Voilà. Et ça pose problème. Donc c'est pas possible. It's not possible. Yeah. Bon, j'attaque mon anglais complètement bateau là. Tout que je le fais exprès en fait. Vous allez croire que je sais pas du tout parler anglais. Alors. On va mettre du rock. Du rock français. Que c'est cocasse. Voilà. Comme ça, on pourra faire un plongeon dans le néant. Tout le monde sera content. Tout le monde sera content. Boum! Grâce à la magie du montage, vous aurez pas vu l'ellipse. Ou pas. Encore une fois. Putain, le support, c'est moi, il est bugué là. Bon, il est plus bugué du coup. Mais du coup, voilà, il sert à rien. Oh, merde, il servait à quelque chose tout à l'heure. Tant pis. On va mettre des barrières autour. Des barrières bien industrielles comme on les aime. J'ai pas de goût, hein. J'ai mis que du noir et blanc, décidément. Mais j'ai pas voulu faire comme Baron. Sinon, j'aurais fait comme Baron. Hein. Ou proposez-moi des combinaisons de couleurs dans les commentaires si vous souhaitez. Même pas si vous souhaitez, vous êtes obligé de mettre un commentaire. Et sinon, je vais venir chez vous. Je déconne, c'est une blague, évidemment. Second degré. Alors, où se trouve. Voilà, j'ai mis 3 quarts d'heure à trouver ces barrières. Est-ce qu'on a cette couleur-là? Si on met une double barrière. Bon, on va mettre une double barrière. Ça fait très. Très Oblivion, très. Smiler. Non, non, on peut débarquer en bois. Pas déconner. Mais j'aime. Ah, il y a un petit visiteur qui vient nous rendre visite. Coucou. Alors, il met des smileys, mais je vois pas du tout ce que c'est. Le chat, je le regarde vraiment très 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 rarement. Voire jamais même. Bon, allez, je vais mettre un petit smiley. Hop. Je vais t'enfermer, mec. Faut que tu ressortes.
Ah, ça va, il arrive à escalader quand même la barrière. Par contre, on va allonger encore cette cage là-bas. Parce que regardez, alors, pour qu'il y ait un petit peu plus de symétrie quand même. Voilà, c'est exactement ce que je veux. Déjà, on va poser. Non, pas les poser, on va les peindre. Et ouais, les champs blocs sont peints. On peint la texture. Ne me demandez pas pourquoi. Alors, on va mettre des petites poubelles, histoire que nos visiteurs soient un minimum propres et civilisés. Le problème c'est que ça pourra pas être symétrique et merde. Du coup on va les mettre ici. Non. Voilà. Encore une là-bas. Et une là-bas. Nickel. Nickel Michel. Au moins ça fait tout joli, hein. Par contre ça fait très très noir et gris, c'est très foncé. Je sais pas si vous avez d'autres idées de couleurs, n'hésitez pas à me le demander. Enfin n'hésitez pas à me proposer tout du moins. Hormis les couleurs de baron, hein, s'il vous plaît. Sinon j'aurais déjà fait depuis bien longtemps. J'ai envie de faire une structure imposante, un peu comme baron en fait, mais je veux pas faire comme baron, c'est ça le problème. J'ai pas une aspiration de malade mentale non plus sur Roblox, hein. Faut savoir que c'est quand même ultra compliqué, hein. Je crois que je peux faire un truc avec ça. Non. Non, je peux rien faire. On va construire plutôt un flat ride à côté là. Oula. Je casse tout. Est-ce que le coaster est ouvert au moins? Est-ce que c'est bien beau, mais... Il faudrait que le coaster soit ouvert. J'ai pas vu un seul visiteur du parc embarqué. Voilà, non, il est fermé. Hein. On n'a pas donné de nom. Ah oui, c'est vrai, l'entrée et sortie ne sont pas mises. On va le nommer Kraken. Voilà. Je sais pas, j'ai sorti un nom comme ça complètement au hasard de ma tête, même si en réalité je pense très facilement à Busch Garden. À SeaWorld, excusez-moi. SeaWorld Orlando, évidemment. Le gros floorless. Bon, l'intégration n'est pas à son paroxysme, hein. Vous l'avez compris. Comme dirait un certain Boris avec ses soirées disco. Comment on pourrait faire des chemins en évitant que nos visiteurs se perdent de trop. La dernière fois on avait, enfin il y a quelques temps déjà, on avait regardé ça. Je sais même pas ce que c'était, mais je pense que c'est un piédestal. Ou un truc de genre. Ouais, par contre, les visiteurs sont complètement paumés là, avec mes chemins complètement bizarres. C'est de l'autre côté. Du coup, il va falloir mettre des poubelles. Bah ouais. Parce que les visiteurs sont cons, jettent tout par terre. Hop, voilà, voilà. Nickel. Comme ça, il y a des Jean-Luc Lahaye autour du coaster. Il est beau quand même, hein.
Enfin, je trouve qu'il a de la gueule. Le layout s'intègre vraiment bien dans le parc. Honnêtement, il serait tout seul, il serait très très beau. Tout seul au milieu du parc, je ne pense pas, mais. Bon, après, il y a de quoi l'améliorer, évidemment. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait mettre ici? Peut mettre un gros flat ride. Je vais mettre ça. Mais j'aime bien laisser des places vides quand même. Je vais mettre le flat ride au fond. Vous savez quoi? On va s'arrêter là. Le flat ride, on fera la prochaine fois. On va faire une on-ride. Il a de la vitesse quand même. Moi j'aime bien. Et la Earthline elle est parfaite je trouve. Enfin je ne sais pas si ce que vous en pensez vous. Mais le Earthline est vraiment bien conçu. Enfin c'est ce que je pense de mon coaster après tout. Non, pars pas sans moi, please. C'est moi qui t'ai créé. Voilà. Ne te barre pas de la maison. Hop, c'est parti pour le petit lift. Dire qu'avant ici il y avait un spinning coaster qu'on avait construit il y a pas mal de temps déjà. Spinning qui a été remplacé par une dive machine. Par contre comment dire, le wing prend une place folle. Avec du recul, j'aurais plus collé vers la gauche. Vous voyez qu'on a un petit peu de place par là. Au final, c'est revenu au même. C'est fluide. Peut-être pas la transition dans le creux là-bas. Non, les transitions c'est quand même assez bizarre. Mais honnêtement, le 0G roll, ça fait vraiment 0G roll. Bref. Bon, j'espère que cet épisode vous aura plu. Hein, n'oubliez pas, n'hésitez pas à commenter pour me donner des conseils hein, tout simplement sur ce que je fais dans Roblox ou n'importe quoi. N'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à vous abonner pour ne plus rien rater de mes vidéos. Allez, à plus tard!